nous accueillons dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une tradition qui remonte des siècles. Au cœur des terres ensoleillées du Sénégal, le Kankourang s'élève en tant qu'expression vibrante et mystérieuse de la culture traditionnelle. Cette danse masquée, empreinte d'histoire et de signification culturelle profonde, trouve ses origines parmi les peuples mandingues et wolofs. Constituant un élément essentiel du tissu social et spirituel de la région. Les origines du Kankourang remontent à plusieurs siècles, évoluant au fil du temps pour devenir une célébration complexe de la vie, de la nature et des liens ancestraux. Le mot Kankourang peut être décomposé en deux parties, Kan signifiant masque et Kourang signifiant mystère. Ce terme reflète parfaitement la nature ésotérique de cette pratique culturelle. Le Kankourang est souvent interprété lors d'événements et de rituels majeurs. Il est généralement associé à des moments de transition dans la vie d'un individu, tels que l'initiation à l'âge adulte. Les jeunes initiés subissent un processus d'enseignement et d'apprentissage, au cours duquel ils découvrent les valeurs traditionnelles, l'histoire orale et les compétences essentielles à la vie communautaire. Les masques portés par les danseurs jouent un rôle crucial dans la transmission de ces enseignements, chaque masque incarnant une leçon spécifique. Le Kankourang se caractérise par les costumes élaborés et les masques sculptés à la main. Chaque masque possède une signification symbolique profonde, représentant souvent des esprits protecteurs, des animaux sacrés ou des ancêtres vénérés. Les danses rythmées et envoûtantes captivent l'attention du public, tout en véhiculant des messages ésotériques et des leçons de vie. Les danseurs, habillés de manière impressionnante, exécutent des mouvements gracieux et puissants, transcendant la réalité ordinaire pour entrer dans le domaine du sacré. L'histoire du Kankourang est également étroitement liée à la résistance culturelle face aux influences extérieures. Pendant la période de la traite transatlantique et de la colonisation, le Kankourang a souvent servi de moyen de préservation culturelle et de renforcement de l'identité locale. En dépit des pressions sociales et politiques, les communautés ont continué à perpétuer cette tradition afin de préserver leur héritage et de transmettre leurs valeurs aux générations futures. Aujourd'hui, bien que le Sénégal ait connu des changements sociaux et culturels importants, le Kankourang persiste en tant que joyau culturel précieux. Les festivals et les célébrations communautaires offrent des occasions de célébrer et de revitaliser cette pratique ancienne. Le Kankourang représente bien plus qu'une simple danse masquée. Il incarne l'âme d'une nation, les liens entre les générations et la persévérance d'une culture riche et diverse. En conclusion, le Kankourang du Sénégal est bien plus qu'une danse masquée. C'est un héritage culturel vivant qui relie le passé au présent et inspire les générations à venir. Cette célébration mystérieuse et symbolique continue de captiver les esprits et de renforcer les liens au sein des communautés tout en offrant un aperçu précieux de l'histoire, de la spiritualité et de la résilience du peuple sénégalais.